Hey, salut Mufto, c'est Kaisu, l'ermite des Joga, et nous y revoici pour la suite de Warcraft 3 Reforged sur PC. Toujours la campagne Orc, dont oui, hein, c'était bel et bien le cas. Je me disais bien que la quête avec Sengin, ça n'existait pas dans le jeu original, puisque après avoir délivré Grom, on passe tout de suite au fléau de Lordaeron. Mais en fait, c'était des rajouts. Ça a été rajouté par Blizzard. Bon, des petits bonbons, surprise, si je puis dire. Bon, ben la dernière fois, nous avons fait vent contre vents et marées. Normalement, c'est l'heure du départ qui aurait dû être la fin. Donc, toujours en mode difficile, à 100%. Et c'est parti. Bon, on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, ça. Ça, c'est pas besoin. Fais échappe. Voilà. Oui. Donc. On va invoquer les loups. Donc, il n'y a pas de stratégie du jour aujourd'hui, hein. C'est vu que là, on n'a pas à faire de bâtiment ou autre. Je suis le chef de guerre. Ondabo. Je vais focus un par un, c'est le mieux. Petite chaîne d'éclair, et on casse ça. Le chef de guerre. Romka, chef de guerre. Romka, chef. Pour marteau du destin. Serviteur des enfers, un esprit fantomatique. Les esprits sont agités. Ouais, ils ont une tête un peu différente des Banshees originales. Finissons-en. À notre protection, j'aurais pas été contre en vrai. Tu sais quoi, hop, j'utilise ça. Pour l'honneur. Le mana, on pourra s'en servir après, oui. C'est pas de soucis. Ah, le mec tout de suite. Ils se battent contre les humains alors qu'ils sont tous emprisonnés au même endroit. Le chef. Lokregar Nogal. Ils sont plutôt faibles les Murlocs pour l'instant. Nul ne survivra. On va taper de l'humain. On l'a libéré, mais voilà, c'est comme ça qu'il nous remercie. Hein. Oui. Par contre, je me demande si on peut faire toutes les quêtes des orques à la suite sans qu'il y ait de. On passe après au fléau de Lordaeron et après le fléau de Lordaeron nous met vers le. Nous font faire la campagne mort-vivant et après. Et après on a les elfes de la nuit et les orques. J'étais sûr que j'allais y passer. Ondabo. Pour l'honneur. Parce que les trolls, en plus, ils parlaient pas tant que ça, hein, dans le jeu d'origine. Enfin, ils parlaient pas tant que ça dans la campagne, quoi. Et là, on a carrément une bonne introduction, mais en vrai, on est censé avoir déjà une très bonne introduction avec Vol'jin. Mais pourquoi pas, quelque part. Nul ne survivra. Ouh là là. Pity leg. What? Hein? Il est mort combien de fois le gars? Bon, là pour l'instant je fais pas de sous-groupe mêlée attaque à distance. Pour l'instant c'est pas trop pas trop nécessaire. Par contre, n'hésitez pas, surtout en mode difficile, à scouter hein, quand on fait des donjons. Toujours scouter, scouter, scouter. Là on voit par ici. Pour l'honneur. Histoire de pas sacrifier ses unités bêtement. Autant sacrifier des unités. Des unités invoquées. En sorte de. C'est des sludge ça non? C'est des sludge, ouais. Ils ont. Alors leur gueule ont changé. Et en plus de ça, même leur nom ont changé. Les esprits sont agités. Voilà qui est très. Ondabo.
C'est notre chance. Ne la laissons pas passer. Pour l'honneur. Ah, les humains se délivrent. Oui. Continuez à combattre. Nous y sommes presque. Alors là, ici, normalement, sauf si vous voulez de l'XP, hein. Oui. Il faut profiter de la bataille. Ondable. Il faut profiter de la bataille pour passer tranquillement. Sauf que là, je vais faire un peu le con. On va aider un petit peu les humains et on va les buter en même temps. Regardez, hein. Là, il faut se casser puisqu'ils sont trop nombreux. Ah, parchemin de soins. Bon là du coup ils font plus rien évidemment puisqu'ils ont juste été scriptés pour un truc. Oui. Pour l'honneur. Donc petite strat. On envoie les chaucheurs de loups aller les manger. Oui. Et on attaque par derrière. Tout simplement, comme ça. Et nous on attaque par derrière. Tout simplement. Nul ne survivra. Et en back. Oui. Votre heure est venue. Nul ne survivra. Voilà. Ondabo. Ah. Des paysans. Oui. Allez, butez-les. C'est bruit. Inventaire plein. C'est plutôt marrant. Bon. Finissons-en. On va faire ça. Ça. Ondabo. On va les soigner un petit peu. Pour l'honneur. Histoire qu'ils tiennent un peu plus le coup, la prochaine. Pour l'honneur. Oula. Ah, on se croirait vraiment en enfer, putain. C'est plutôt stylé, je trouve. Ici, c'est que des guerriers squelettes, à mon avis. Ouais, archer squelette. Oui. Enfin. J'envoie mes scouts. Oh, le fail. Oh non. Ah, c'était moche. Ah, le fail tout moche. Putain, j'ai emprisonné mes deux petits loups. Merde. Tant pis, bon, il n'y avait pas besoin au final. C'est vrai qu'ils sont faibles, les squelettes. Ah, les petits arbres champignons à la Draenor. Draenor qui est en fait la planète d'origine des orques. Les esprits sont agités. Je savais que vous nous trouveriez, chef. Les esprits sont agités. Ah. Bon, potion de mana supérieure. Je vais l'utiliser. Les araignées. Arachnophobes s'abstenir. Oh putain, leur tête. Ondabo. Nul ne survivra. Pour l'honneur. Ok. Bon, c'est plutôt faible, hein. Oui. Inventaire plein. Ondabo. C'est moi où j'ai l'impression que le mode difficile en donjon est moins pour difficile l'honneur. que d'habitude. Oui. Ok. Pour l'instant, c'est que des petits derniers. Ah! On a déjà des veuves noires. Faire gaffe parce qu'ils empoisonnent. Oh, putain, je vais échanger mes grilles d'attaque. Hmm.
Après, c'est vrai que je peux cumuler, mais... c'est pas forcément le mieux cumuler. Non, on doit avoir des petites araignées dans un des œufs. Ah bah voilà, des bébés. Une araignée noire. Oui. Ouf, des cadavres humains. Ah, ils ont disparu. Oui. Ondabo. Oui. Ces humains ont visiblement livré un rude combat. Dommage qu'ils aient échoué. Ah, contre des araignées. Évidemment. Pour l'honneur. Pour marteau du destin. Oui. Bon. Quand on joue en mode difficile, hein, la priorité c'est de garder le maximum d'unités en vie quand on fait des donjons. Maximum. Parce que quand on va finir par affronter des espèces de gros boss, ça va pas être pardonnable. Hein. Ok. Ondabo, pour l'honneur. Oui. Et aussi, ben pour sauver ces unités, faut beaucoup jouer sur la micro-gestion, c'est-à-dire très simple, hein, la gestion d'unités. Quand on voit une unité, par exemple, qui a une santé qui commence à devenir beaucoup trop basse, hop, on le back. Et les monstres, ils vont plutôt se tourner vers ceux qui ont un peu plus de PV. Plus tu fais revenir ton unité, va porter un petit peu plus de soutien. Et voilà, sauvegarder le plus d'unités possible. Avoir de quoi soigner. Pour l'honneur. Et si possible, vous avez des héros qui ont des auras de dévotion qui permet d'augmenter la défense, n'hésitez pas. Utilisez beaucoup votre héros. Ah non, ah non, là. Bon, là, je vais. Ouais. C'est trop tard. Je me suis laissé. Je suis laissé trop distrait. Oui. Orbe de feu. Ah ça c'est très intéressant. Bah tiens, j'utilise le dernier. Je vais prendre l'orbe de feu. L'orbe de feu c'est simple, hein. Vous ajoutez 5 points de dégâts à vos attaques. En plus ça fait des dégâts de feu. Et vous pouvez en plus attaquer des unités aériennes si vous l'équipez sur un héros de... Finissons-en. Un héros de... comment dire de mêlée. Voilà. Oui. Par exemple, chez les orques, on a le maître lame ou le guerrier tauren. Enfin, le chef tauren, plutôt. Pour l'honneur. On a plusieurs types de héros, hein. Oui. Thrall, c'est le... ce qu'on appelle le héros d'intelligence. C'est un héros, il faut miser sur l'intelligence. L'agilité peut être bien, mais surtout l'intelligence. La force, ça sert à rien. Puisque c'est une unité qui mise beaucoup sur ses sorts. Et donc il y a lui, et chez les orques on a aussi le chasseur d'ombre qu'on aura un peu plus tard. Le chasseur d'ombre aussi, pareil, ne mise que sur ses sorts. Hein. Surtout les sorts de soins. Votre heure est venue. Ah les rochers, il faut les péter normalement. Ah non, pas ici, puisqu'il n'y a rien. Dans... Votre heure est venue. Pour l'honneur. Et voilà. Quand on joue en mode difficile, il faut très bien utiliser son héros. Voilà, par exemple. Oui. On voit qu'il a des esprits loups. Faut pas hésiter à utiliser tout le temps pour scouter l'environnement, pour pas se faire prendre par surprise par des unités qui sont quand même assez... qui ont la force du nombre, par exemple. Ah, on est un chaman déjà, ça c'est pas mal. Votre heure est venue. Bien utiliser ses unités aussi. Bon, malheureusement, les chamans... Pour la horde. Oui, si tu veux. Le souci... Ah, si, ils ont le Bloodlust. Bloodlust, furie sanguinaire ou folie du sang. Les esprits. Ça a plusieurs noms. Parchemin de soins... pas forcément besoin en soi. On est plutôt correct. Que puis-je faire? Alors, mes scouts, je pense qu'ils ont plus assez de... Non, je vais en... Oui.
Je vais en repoper deux. La sortie, c'est plus par là. Ondabo. Oui. Bon, toi, je fais un autre sous-groupe, un sous-groupe de casteurs. Donnez-moi vos ordres. Pour l'honneur. Donc lui, je vais laisser derrière pour qu'il puisse me faire la folie sanguinaire. Ah merde, c'est des golems, putain. Ah, ils ont changé. Par contre. J'aurais dû scouter. Bon, là, c'est une erreur de ma part. Pour l'honneur. Tant pis. Parchemin de mana, pas forcément utile. Oh, tiens, parfois, deux fois, même erreur, on va scouter. Voyons si nous pouvons franchir ces rochers. Ah, une potion de mana qui traîne ici. Ah, ouais, d'accord. Ouais. La potion de mana va pas beaucoup me servir pour l'instant. Ah, des trolls. Vous arrivez juste à temps. Votre heure est venue. Oui. Recule un petit peu. Qu'est-ce que des gnolls fout là? C'est pas trop leur endroit de prédilection, les gnolls. Hein. Nul ne survivra. Donnez-moi vos ordres. Ondabo. Hop, 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 hop. Pour l'honneur. Normalement, en cassant des rocailles, il me semble qu'on peut trouver certains objets. Ondabo. Si, d'un premier souvenir. Oui. Lors des donjons, ça. Oui. Potion de mana, parchemin de soins. Bon, il y a quand même des objets qui peuvent être sympas. Donc je prends plutôt le parchemin de soins. Finissons-en. Vite fait. Pour l'honneur. Voilà. Parchemin de protection, je préfère le garder lorsqu'on a un gros boss de donjon. Ondabo. Ou un sacré nombre d'unités supérieures. En supériorité numérique. Là, faut faire gaffe parce que eux, ils peuvent enlever la folie sanguinaire. Donc, le mieux, c'est que je les envoie. Normalement, ils peuvent dispel mes loups, donc faut faire gaffe. Mais ça. L'essentiel. Ah, bah non. Ils ont même pas essayé, ils ont plutôt préféré focus la folie sanguinaire. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu plus intelligents en mode difficile. Non, on va pas descendre, on va plutôt monter. Il reste deux prisonniers. Ouf. Là, par exemple, je risque d'utiliser... Je risque fortement d'utiliser le parchemin de défense, parchemin de protection. Ondabo. Ah. Chaperon de ruse. Ah, l'agilité et l'intelligence. Ah bah ça, par exemple, c'est très intéressant. Ondabo. Oui. Voilà. Faudrait que je soigne mes unités un petit peu. Ondabo. On va plutôt descendre par là. N'hésitez pas à fouiller toujours chaque recoin. Il y a des objets qui peuvent être très intéressants. Bah, par exemple, j'ai trouvé ça. Oui. Pour l'honneur. Oui. Oui.
Y a rien par ici, il faudrait plutôt passer par là et faire le... Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà passé par ici. Ça c'est qu'un autre chemin. Distraire avec les loups comme d'hab. Essayer de scouter avec le peu qu'on a. Quoi? Veneur Murloc. Oui. C'est pas plutôt des rampants? Des rampeurs Murloc? Votre heure est venue. Putain, il faut soigner un petit peu. Maître. Je me bats ici. Pour l'honneur. Ondabo. Ah les bâtards. Loknash. Pour l'honneur. Ah merde, il a surbuté. Ah quoique, non. Ah l'enfoiré. La moindre miette. Oui, chef. Alors, c'est vrai que je peux aussi utiliser le bouclier de foudre. Ça permet d'infliger 20 points de dégâts aux unités proches. Alors, un truc assez sadique, c'est que vous pouvez l'utiliser sur les ennemis. C'est-à-dire que, par exemple, si des ennemis sont bien entassés, vous utilisez un bouclier, par exemple, sur le héros... sur n'importe qui, en fait, du coup, ça fait des dégâts autour. C'est plutôt pas mal. Pour la horde, pour l'honneur. Moi, personnellement, je préfère l'utiliser sur les ennemis. Ondabo. Par exemple, j'utilise sur les ennemis, je back un peu le temps que leur point de vie se détériore. Ça, c'est dernier prisonnier, normalement. Je suppose que nous ne sommes plus les bienvenus ici, chef. Alors, on a un mini-boss, donc... Oui. Bon, par exemple, alors, c'est le touche L, putain, ça a changé. Oui. Donc, le mieux. Ondabo. Scout, même distraction. Que puis-je faire? Et par exemple, sur lui. Un plan judiciaire. Tout mal. Oh, ça va. Le chef de guerre. Tome de force. Pour bon. L'honneur. Tome de connaissance, ça c'est bien. Oui. Tome d'intelligence plutôt encore mieux. Ondabo. Même si c'est pas un héros de force, vous pouvez prendre des tomes de force si vous avez que ce héros-là. Bon. Ça lui augmente un petit peu. La force, en fait, ça augmente votre défense, vos dégâts, et ça augmente aussi votre taux de récupération de points de vie. L'intelligence augmente vos points de mana et votre récupération, votre taux de récupération de mana. Ce qui est très utile. Ah putain, l'agilité. Notre truc de récupération de mana, ce qui est très très utile pour des héros comme Thrall. Et ensuite, l'agilité, c'est plus pour des héros qui sont plus dans la rapidité. Permet de... plus vous êtes d'agilité, plus vous tapez vite. Plus vous tapez vite. Ouais, c'est surtout ça. Plus vous tapez vite, plus vous bougez vite aussi. Voilà. Des héros qui font déjà beaucoup de dégâts s'ils tapent vite, c'est super. Bah, par exemple, le maître lame, c'est un héros d'agilité. Ondabo. Et le chef Tauren, c'est un héros de force. Chef, les créatures poissons ont enlevé Sengen. J'ai essayé de les arrêter, mais elles étaient trop nombreuses. Elles veulent le sacrifier en l'honneur de leur sorcière. Il n'y a pas une minute à perdre.
Nous devons libérer Senjin. Chef, je perçois la présence d'une barrière protectrice autour de l'oracle. Je pense que ces trois créatures œuvrent pour la maintenir en place. Pauvres imbéciles, vous ne nous empêcherez pas d'obtenir ce qui a été promis. Senjin, ne vous inquiétez pas, vous le rejoindrez bientôt. La sorcière et vous pourrez en discuter dans l'au-delà. Je vois. En fait, ils ont décidé de raconter l'histoire de Senjin. Les esprits sont agités. Ah. Ok, là, je comprends mieux. Bah oui, c'est... Senjin s'est fait buter par des Murlocs. Oui. Oh putain, comment ça fait sombre. Bon, tant pis, c'est pas grave. On me voit un petit peu quand même. Donc, stratégie. Ce qu'il faut faire, bon déjà, faudrait que j'essaie de checker les objets. Lokregar, Nogal. Nul ne survivra. Ah, je disais bien qu'il y a des trucs intéressants. Pour l'honneur. Potion de soins supérieurs. Ah, si tu veux. Ondabo. Donc il faut à tout prix que je soigne mes unités. Pour l'honneur. C'est vital même. Potion de soins supérieurs, je préférerais, puisque ça donne plus de PV. Oui. Donc là, il faut taper, il faut back. À chaque fois, taper, back, taper, back, taper, back. Donc j'ai un petit stratagème. Il faut que j'utilise E. Puis-je faire ? Faire des boucliers de... foudre. Finissons-en. On va détruire ça. Voilà. Pour l'honneur. Back. Donc, loup. Tac. Oui, chef. Sur le champ. Les esprits sont agités. Bien compris. Lokregar. Back. Que puis-je faire? Je suis le chef. Les esprits sont agités. Voilà. Déjà, on s'est débarrassé du plus gros au niveau comité d'accueil. Donc, eux, c'est des casteurs. Eux, ils vont pas nous attaquer puisqu'ils sont occupés à faire leur sort. Nogal. Oui. On va taper ça d'abord. Ah, bah si, d'accord. Ah, je pensais. Là, on va essayer de la faire un petit peu à la bourrine. Après, il y a le boss. Faire gaffe. Oui, j'aime. Les esprits sont agités. Donnez-moi vos ordres. Un plan judicieux. Lokregar, Nogal. Votre heure est venue. Je suis le chef de guerre. Ah, faut faire gaffe hein, maintenant. Donc, pareil. Ondabo. Les loups. Oui. Bon, par contre, on n'a plus rien pour les chamans. Les esprits sont agités. Il leur fallait du mana. Tant pis. On va faire autrement. On va les attirer ici. Finissons-en. Et on va essayer de le circle. Oui. Nul ne survivra. Ouais, je vais tout mettre en œuvre normalement. Voilà. Ondabo. La vision, elle m'a montré. Que vous guideriez mon peuple loin de cette île. Le temps presse, mon jeune ami. Partez. Passons vous et les vôtres. Il est trop tard. Je suis déjà parti.
Ceux qui souhaitent me suivre doivent savoir que notre voyage sera périlleux. Mais si telle est votre volonté, alors vous êtes les bienvenus. Il y aura bientôt plus rien ici. On vient avec vous. Faites la paix avec vos dieux. Vous n'échapperez pas à la mort si facilement. Quelle est cette voix ? Je n'en sais rien. Mais il n'y a pas une seconde à perdre. Cette grotte est sur le point de s'effondrer. Et voilà. Donc maintenant, on a les trolls du clan Sombre Lance avec nous. Et ça, c'est très bien. Mais les trolls de Sombre Lance étaient déjà là bien avant. À l'époque, même dans Warcraft 2, hein, dès qu'on délivre Zol'jin des griffes de la... entre les mains des humains, hein, puisque les humains avaient capturé les trolls de Sombre Lance avec Zol'jin, on est parti libérer. Et du coup, Zol'jin, pour remercier et pour lui prouver du coup sa loyauté, enfin pour le remercier justement, il s'allie avec les orques pour créer la horde, déjà la horde de base. Donc, qui a commencé avec les orques, et ensuite, on a eu les orques et les trolls. Et puis plus tard, on a eu les ogres, puis les ogres sont partis, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et à la place des ogres, on a fini par avoir les taurennes. Et puis voilà. Après, un peu plus tard, bon là c'est après Warcraft 3, il va y avoir les réprouvés, on est morts vivants. Les elfes de sang, enfin ça va être complètement un gros bordel. Enfin... Des trucs pas très logiques, un peu sortis du cul, d'ailleurs, je dirais. C'est une des raisons pourquoi je comprends pas trop World of Warcraft. Il y a des choses que je tolère pas dans World of Warcraft. Il y a des trucs stylés, mais il y a des trucs... je suis désolé, what the fuck. Ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Il y a des gens qui disent « Non, mais non, mais les F200, ils sont tout à fait... » Leur place dans la horde, leur Temar c'est le meilleur. Bof. Leur Temar. Alors, bien sûr, je vais spoiler un peu pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Warcraft 3, hein, si je parle des elfes de sang, mais. Bon, déjà, le fait que je dise qu'ils sont maintenant dans la horde, à World of Warcraft, voilà. Mais voilà, je préfère de très loin leur ancien prince, le prince Kel'thas, qui pour moi, j'ai beaucoup plus de respect pour lui en tant que chef des elfes de sang que leur Temar. Leur Temar, j'ai quelques problèmes avec lui. Bien que vers la fin de BFA, il remonte doucement dans mon estime, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Maudite créature terrestre, vous avez massacré mes serviteurs et profané mon sanctuaire. Vous allez mourir noyé sous les flots déchaînés. Il n'y aura plus de sacrifice aujourd'hui, sorcière. Retournez aux profondeurs d'où vous venez. Ainsi votre choix est fait. Vos prochains instants seront les derniers. Enfin, nous sommes arrivés. Chef, pendant votre absence, le volcan est entré en éruption. Cette île est sur le point de se disloquer. Quand seront réparés les navires ? Nous avons presque fini, chef. Faites vite. Nous aurons bientôt de la visite. Nous devons protéger ces navires à tout prix. Ah, je pense que c'est une mission de survie, là. On va y voir. Tout à fait, tout à fait. Donc, résister 20 minutes. Et où ils vont les autres, là? Ils viennent avec vous? Lokregar, Nogal. Bon.
Tout à l'heure, j'avais oublié de lire la petite page de chargement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que vous aurez eu le temps de lire pendant que je speechais sur World of Warcraft. Et je pense que la prochaine fois, faut que je lise. Faut quand même que ma douce voix serve à quelque chose. Qu'y a-t-il ? Bien. La quête, c'est tout simplement résister 20 minutes. Sauf qu'il y a une quête annexe qui est ici. Secourir et rallier les trolls. Bon, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire vite. On va enregistrer. Je vais appeler ça campagne orc suite. Bah. Et ce sera la suite sera pour la prochaine fois, donc le prochain épisode. Épisode 4, si je dis pas de conneries, hein. Oui. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé, ce fut un plaisir. Donc là, on aura la stratégie du jour pour la prochaine. Ce sera surtout une stratégie de défense. Hein. Une stratégie de défense assez basique. Je vais vous montrer un peu à quoi vont servir certaines unités en termes défensifs. Bon. En ligne, c'est pas ce qui servira le plus, mais on va dire qu'en mode campagne, c'est plutôt pas mal. Bon. Sur ce, que la foudre du Gino Castotric vous accompagne. Ciao, peace and love, see you next time.